La prochaine notion est tellement importante. On l'appelle le call to action, en anglais, le bouton d'appel à l'action, et la landing page, la page de destination. Si vous maîtrisez ce bout-là, vous allez véritablement devenir des as du marketing par infolettre. Il faut que votre courriel, que votre message ait un but. Et ce but-là, c'est de faire faire une action précise aux gens. Est-ce que c'est de s'abonner à notre infolettre? Est-ce que c'est de s'inscrire sur votre boutique en ligne? Est-ce que c'est de participer à un concours? Est-ce que c'est d'acheter un produit? Est-ce que c'est de visiter le site web? De s'inscrire à un lancement, un vernissage? Vous avez compris? Vous bâtissez tout votre message en vous disant « qu'est-ce que je veux leur faire faire? » Et il faut que le message soit clair, net, précis, limpide. Vous remarquez, quand vous vous faites avoir dans un message, souvent c'est parce qu'on vous parle du message, puis là il y a un bouton « je m'inscris »,« j'embarque »,« j'y vais »,« maintenant ». Donc, ayez un bouton d'appel à l'action à l'intérieur de votre courriel. Si vous suivez nos conseils de faire un seul message, vous voulez que les gens visitent votre boutique en ligne pour voir les rabais éclairs du jour, c'est voir les rabais éclairs du jour, quand je clique là-dessus, c'est donc le « call to action ». J'arrive à quelque part, l'adresse où vous avez décidé que vous allez me faire arriver. Est-ce que c'est en page d'accueil de votre site web corporatif? Est-ce que c'est dans la page des liquidations de votre boutique en ligne? Est-ce que c'est dans une page précise à l'intérieur de votre site web? C'est ce qu'on appelle le landing page, la page où on va faire atterrir l'internaute qui arrive de son logiciel courriel vers un endroit précis. Dans le temps, avant de savoir comment faire intelligemment des infolettres, on envoyait le monde vers la page d'accueil d'un site web, puis là, il fallait qu'ils trouvent le message. Voyons donc. C'est d'une logique implacable si je vous dis « découvrez les rabais du jour » d'envoyer les gens vers la page de « rabais du jour ». Donc, assurez-vous d'avoir un message qui est pertinent, efficace et cohérent. J'ai un message, je fais une action et j'arrive à la bonne place sur le site ou encore dans la boutique en ligne. Et juste en faisant ça, vous allez avoir des résultats extrêmement rentables. Et vous savez quoi? Les gens vont aimer vos infolettres, vont avoir envie de les rouvrir de fois après fois, parce qu'à chaque fois, ils vont vivre une belle expérience.